We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving. Angry yet? Wait till we get angry. I have been telling you I grew up in Poland, and in 1980 Polish people got angry, and I saw the police officers running for their lives. The very people that were enslaving the population, the very people that were doing this great evil to Poles, were on the run. They were so terrified. I will never forget that, because there is more of us than of them, and they crossed the line. If I was a politician, I would either resign now while you still can, because we're coming after you. And I'm not talking about the guns and the swords. I'm talking about justice. Real judges, real courts, the court of the people. Just like it was done under the Solidarity Movement in Poland. And you got a second option. You can come to our side and you can tell the public what's really going on. You can come clean. You still have that time. You devils, if you're watching this, you snakes, it's still a time for you to come to the right side of the fence. Because when the people get angry, and they eventually will, when they will lose their children or their loved ones, their mothers, their fathers, and they will learn what really happened, I wouldn't want to be you. I wouldn't want to be you. So come clean, come out, join the fight against tyranny that you helped to build, or else. And or else is not going to be pretty. Because you may come and say, hey, mandates are over, restrictions are over, but we remember, we know who you are, we know your names, and 10 years from now, 20 years from now, when we get the power, or a year from now, we will come after you. Why on earth is Canada, of all places, standing? Well, let me tell you. We might be a very tolerant people, but once you fuck with us too much, we will fuck with you. We've had enough. And that's all there is to it. Fuck you, Trudeau. Bonjour tout le monde. On est François Bissonnette. Je suis en train d'essayer de partir d'un mouvement pour faire valoir mon droit de vote pour un débrayage dans le domaine, dans tous les métiers syndiqués. OK? Pour faire abolir le vax obligatoire et la passe sanitaire dans toutes les industries du pays. OK? Ça n'a pas sa place au Canada. Le reste, je suis pro-choix. OK? Et je m'assume. Là, j'essaye de temps et de misère à vouloir contacter certains médias,
voir les têtes dirigeantes des syndicats parce que nous, en tant que syndiqués, nous payons des cotisations chaque année pour faire revendiquer nos droits. Ce n'est pas vrai que je vais payer une centrale syndicale, OK, qui approuve le vaccin ou qui est pour le vaccin. Là, ça suffit, là. Là, il y a beaucoup de membres qui sont en arrière de moi, qui souffrent, des mères de famille, des pères de famille, qui ont le cœur déchiré, qui en ont assez. OK? Là, je m'adresse aux quatre centrales syndicales de la construction et ainsi que toutes les autres, dans tous les autres métiers, de se lever et demander un droit de vote pour la passe vaccinale et le code QR dans toutes les entreprises au pays. Puis si on est majoritaire, ben on débrayera. Je suis prêt à manger des toasts au beurre de peanut puis du spaghetti un esti de bout pour au moins défendre ces deux valeurs-là. Parce que je veux pas laisser ça à mon enfant plus tard. Fait que sur ça, je vous laisse avec un cœur gros d'un père qui en a plein son. OK? Merci de me faire entendre. Partagez au maximum. Merci. On partira pas de site tant que ça sera pas réglé! J'ai commencé ma job là juste pour être site parce que c'est une crise de votre compte. On t'a laissé ton emploi? Ben oui, j'ai pas le choix de laisser nos emplois. Il y en a qui travaillent pour le gouvernement qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Ils sont fait quitter dehors sans sol. Les citoyens d'Ottawa sont allés du bruit de votre occupation. Qu'est-ce que tu leur réponds là? Ils ont été à col ici le week-end de l'autre. Ben non, ben ils vivent déjà ici. Ah, on s'en fout, nous autres. Il y a des élus des gens du quartier qui sont allés vous voir quand même. C'est leur problème. Moi, je suis pas allé d'être ici. This message is for the truckers in Canada. Your bravery has caught the attention of the world. Your principled position is applauded. Thank you for shining a light on this global disgrace. May what you have started reverberate around the world. May that inspire others to stand up for what is right. We salute you. We love you. And God bless you. Hello, everyone. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Wish we had a leader.
Bonjour, je m'appelle Carole Xavier, je suis médecin pathologiste à l'hôpital de Gatineau, dans l'Outaouais. J'y travaille depuis 2011, date à laquelle je suis arrivée au Québec. Et donc voilà, cela fait 10 ans que je travaille et que je fais tout ce que je peux pour toute la population qui m'entoure, pour mes patients finalement, parce que je me suis investie dans énormément de choses à l'hôpital. J'ai fait de mon mieux, toujours, pour les patients de l'Outaouais. Je n'ai pas compté mes heures, je n'ai pas compté mes efforts, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et je suis ici au milieu de gens, de professionnels de la santé ou non d'ailleurs, qui sont tous comme moi, j'en suis certaine. On a tous à cœur le bien-être de la population et faire tout ce que l'on peut pour les populations, pour la population. Il y a quelques semaines, j'ai appris que mon ordre, le Collège des médecins du Québec, que ma fédération des médecins spécialistes, et puis que le ministre, M. Dubé, considérait que parce que je n'étais pas vaccinée, j'étais indigne d'exercer ma profession. J'ai beaucoup de chance avec tous mes confrères et mes consoeurs et mes collègues de travail, tous les personnels de la santé. J'ai beaucoup de chance que M. Dubé ait accepté d'écouter, je dirais, la voix de la raison, parce que je pense que pour la population, c'était fondamental. Mais c'est vrai que moi, je suis ici pour défendre un droit d'exercer, un droit d'exister, un droit de choisir les soins que je veux pour moi et puis aussi pour les autres. Le libre choix, je veux dire, j'ai appris, moi, j'ai prêté le serment d'Hippocrate et puis c'était important, c'était majeur de dire qu'on allait soigner les gens en fonction de leur volonté, qu'ils allaient choisir librement le traitement qu'ils voudraient ou ne voudraient pas. Et je crois qu'on peut respecter le fait que j'ai un doute et que tout le monde, tous les gens qui sont ici ont un doute. Ils ne sont pas anti-vax. Mais actuellement, je crois qu'on n'a même pas le droit de douter, de poser de questions. C'est ça qui me gêne. Moi, je suis ici pour qu'on réfléchisse tous ensemble. J'aimerais qu'on réunisse tous les professionnels, tous ces professeurs d'université, tous ces grands patrons de service, qu'ils soient pour ou contre la vaccination, qui nous explique. Parce que moi, je suis comme tout le monde, j'ai beau être médecin, je ne comprends pas ce qui se passe depuis 18 mois. On nous dit blanc, on nous dit noir, on nous dit c'est dangereux, puis on nous dit, d'autres nous disent oui c'est dangereux, ça a été dangereux, puis je suis tout à fait d'accord. Moi au début de la pandémie, j'avais la trouille comme tout le monde, puis il s'est passé des choses, et puis je me suis mise à m'interroger, et puis je ne sais plus, les gouvernants nous disent le vaccin c'est sûr, il n'y a pas d'effet secondaire. Puis quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y en a des effets secondaires. Je me pose juste des questions, puis j'aimerais une réponse. C'est pour ça que je suis là. That Canadian anti-mandate truck convoy we discussed yesterday is really the most inspiring story around the world at the moment. For 2 years, Western governments, in league with Chairman Xi and his crazy Wuhan bat fanciers, have trashed the lives and livelihoods of their citizens. Certain unhip, unfashionable types have kept things going as best they can, like truck drivers, without whom the shops would be even emptier than they are. And what thanks do they get 2 years in? Oh, by the way, we're going to screw you over too. That truck convoy is now closing in on Ottawa. They passed Wawa, Ontario, which is the last gas station for 100 miles, and then rolled on down to Sault Ste. Marie, where they got a huge welcome. And then passed Elliott Lake, where my parents eloped to many years ago, as it happens. Justin Trudeau and his entire cabinet have come down with the dreaded panty waste variant and are self-isolating in the basement. You know, a lot of people have been protesting these mandates. NHS staff here about to be laid off. Australian shopkeepers. But I think it was a big mistake to target a demographic who have the biggest and most visible mode of transport. And there is now talk about organizing a similar truck convoy on the continent. What a moment in Canadian history here at Parliament Hill. I love you, Canada! Yeah!
Wow! Je suis allé fermer la télé, je tombe là-dessus. J'ai-tu bien compris? Il y a des policiers de la SQ en questionnant énormément les décrets passés par le Conseil des ministres à Québec, qui trouvent abusifs. Ils remettent même en question leur intégrité à servir cette justice et à appliquer ces décrets. Je vous laisse entendre l'une des policières qui a pris parole, Marie-Claude Nadeau. Elle patrouille dans la région de Saint-Hyacinthe pour la Sûreté du Québec. En ce qui me concerne, je vis un conflit de loyauté. Conflit de loyauté parce que je dois faire appliquer de nouvelles réglementations décidées par décret et non votées par l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale. Wow. Qui sont contre mes valeurs parce qu'elles se veulent discriminatoires. Tant que ça ne sera pas dit haut et fort, je ne pourrai servir cette justice de manière intègre. Hey. Le prochain policier, bravo. C'est Guillaume Patras, lui patrouille au nord de la région de Montréal. Écoutez ça, là. Et il tient des propos qui sont tout près d'être des propos complotistes, notamment sur le contrôle de l'information par les médias. Ils se sont fait pincer, là, dans la dernière manifestation, les trois policiers. On écoute. Des lois qu'il doit lui-même appliquer. Je considère que nous, les policiers, nous ne pouvons pas participer aveuglément à l'exécution du mandat qui viole les lois de notre pays et viole les droits et libertés des personnes que nous protégeons. Et regardez maintenant wow. L'extrait de cette vidéo promotionnelle de Policiers pour la liberté du Québec. Is our people organized into mass formation of the democratic movement? Vous voyez que elle s'inspire d'une forme de vidéo que l'on a souvent vue, alors intercalée avec des images de plus en plus, là, les policiers embêtent dans le mouvement, là. Et oui, bang, ça tient pas de bout, là. On intercale des images des discours des policiers, on les voit se recueillir, fleurs à la boutonnière. Bravo, ça. Se recueillir dans ce même groupe, c'est Stéphane Navarre, un autre policier. Lui, là. Est moniteur en sécurité routière au quartier général de Boucherville sur la rive sud de Montréal. Alors, pour l'instant, il y a une arrêt sur ces policiers parce que, tant sur le code de conduite de la sûreté... Toute la police, félicitations, je lève mes bras, un gros thumbs up. On se demande s'il y a... Je suis fier parce que là, pour une fois, là, ils sont sur notre bord, là. Dont le travail est d'appliquer... Puis 10. En attendant, TikTok, mes chers abonnés... Vous embrasse. Je me suis arrêté là-dessus. J'étais comme, wow! Ciao! Hey, Quebec. Hey. See what we're doing, bud? Tabarnak, what do you want? We're going for a walk. How you like that, eh? I swear to God, you guys keep this shit up and I'm going to... You're gonna what, bud? It's 10 p.m. You can't even leave your house. Oh, hey, what are you guys up to? Making fun of Quebec. Oh, I love making fun of Quebec. Can I join in? How about you all go fuck yourselves, huh? How does that sound? Hey, you shut your poutine hole, you dirty French fuck. Tabarnak, you know without me, none of you English muffin fuckwits would even have poutine, huh? He's got a point. Maybe we should take it easy on him once for the poutine. Okay, but who the hell are we gonna make fun of then? How about Prince Edward Island? Hey! What the fuck did I do? Bud, you're smaller than my ex-girlfriend's knockers, and she had the chest of a 12-year-old boy. They were still pretty nice boobies, though. Yeah, they fucking... Wait, how did you know? Ah, pipsqueak, I've seen my cousin take bigger shits than you. Okay, you see, bud, this is why we make fun of you. You can't say shit like that. Yeah, fuck you guys, I'm going home. You're already home. À tout Canadien, tout Québécois, qui arrête pas de dire qu'il se fait chuchoter, par TikTok ou bannir ou quoi? Watch bien ça. C'est pas TikTok. C'est notre gouvernement. TikTok Removal Request. Vous cliquez Government Removal Request Report. Clique là. Il y a un rapport. Et voilà, ça nous amène. C'est la page que vous allez voir. C'est officiel de TikTok. À propos de ce rapport, les Government Request to Remove or Restrict Content or Accounts. Check ça. Janvier à juin 2021. C'est les mois qui ont eu le plus de demandes. Hey, 2434 demandes à partir des gouvernements. Laissez pas notre gouvernement canadien vous en firlouper. Hey, le mouvement
Convoy to Freedom 2022. Il est temps qu'on se lève tout ça avec la paix. OK? Peace. Anti-vax, une vaccitax. Vous pensez que François Legault a lancé un caillou dans l'eau? Sachez que la vague a fait le tour du monde. On a trouvé le champion en la matière pour emmerder les non-vaccinés. C'est au Québec que ça se passe. Premier ministre québécois. Dit quoi? Les non-vaccinés, c'est un fardeau financier. Bim, il l'a dit hier en conférence de presse, en direct à la télévision. Il prononce pas le mot taxe. Mais c'est tout comme. Il premier del Québec, François Legault, non ha quantificato l'importo dell'ammenda, ma sarà significativo, ha dichiarato. François Legault tendrà anche pagare una contribuzione sanitaria. Provinsen Québec i östra Kanada inför en hälsoskatt för dem. Marine, si mon suédois est rouillé, j'ai constaté qu'on en a parlé aux quatre coins du monde. Vaccin de Pfizer, entre autres, qu'on dit efficace à 90%, qui sera disponible dans les prochains mois. Mm-hmm. Le Canada veut être parmi les premiers pays à en obtenir de ce vaccin-là et des autres. Exact. Celui-là, on avait signé une entente au mois d'août pour 20 millions de doses et hier, le fédéral a pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires. C'est pas la seule entente. Vous allez voir, on va les inventorier ensemble. D'abord, il y a l'entente avec l'américaine Novavax pour 76 millions de doses de vaccin. Une autre avec Johnson & Johnson, jusqu'à 38 millions de doses. Un contrat avec le britanno-suédois AstraZeneca pour 20 millions de doses. Encore 20 millions avec l'américaine Moderna, jusqu'à 72 millions de doses avec Sanofi et GSK. Et enfin, jusqu'à 76 millions de doses du vaccin développé à Québec, celui de Medicago. Lorsqu'on additionne ces 7 ententes dévoilées publiquement ensemble, ça donne sur papier jusqu'à 378 millions de doses, c'est 10 doses par Canadien. Et selon une étude de l'Université Duke, Ottawa a réservé bien plus de doses de vaccins par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Donc, c'est la police d'assurance que Justin Trudeau a contractée pour s'assurer que les Canadiens allaient être parmi les premiers à recevoir le vaccin. 10 doses par citoyen canadien. Impressionnant.